Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai. Le scooter électrique, oh, ok, mais les villes sont en train de toutes passer à 30 km/h et deux, il y a plein de villes où il y a des zones entières qui vont être interdites à tous les véhicules thermiques. Il y a notamment Kawasaki, vous avez vu, hein, qui passe entièrement à l'électrique d'ici quelques années. Ducati a annoncé également passer à l'électrique, notamment en fournissant les motos électriques en Moto E. Bref, l'électrique, vous allez y arriver. En attendant, ici, eh ben, c'est pas n'importe quelle marque. Pourquoi ? Parce qu'on était surtout habitué en électrique à voir en fait des modèles plutôt chinois, pas toujours très très bien faits. Et pour la première fois, c'est Piaggio qui s'attaque au segment du scooter électrique avec le Piaggio One, leur premier modèle. Pas tout à fait, ils ont déjà fait un petit peu d'électrique, ils ont mis un peu le doigt dans la prise auparavant. Et en fait, on a ici trois modèles. Oui, il y en a deux, je sais encore compter, mais il y a un Piaggio One cyclo de base, 45 km/h avec une petite autonomie, une soixantaine de kilomètres. Il y a la version One Plus avec une autonomie poussée, avec une plus grosse batterie à l'intérieur qui passe à 100 km. En mode éco. Et puis il y a cette version active qui est en fait la version équivalente 125. Alors qu'on ne s'y trompe pas, on a ici des tout petits scooters, hein. Là on a un moteur qui fait 1,2 kW. Ici on a un moteur qui fait 2 kW. C'est vraiment le minima en scooter électrique. Ce sont vraiment des scooters urbains. Là, pour arriver aux 45 km/h, il faut vraiment pousser dessus. Là, vous allez taper un 60 voire un 70. C'est pas extraordinaire, mais en attendant, ils ont le mérite d'exister et à des prix qui sont limite abordables. 2007 pour le One, 2008 pour le One Plus, et puis pour cette active, 3 200 €. Mais en fait, celui-ci est moins cher que celui-là. Vous n'avez pas suivi ? Non, moi non plus. En fait, tout ça, c'est une question de bonus écologique. Il y a 500 € ici de bonus écologique. Donc, ça vous fait redescendre quasiment le prix à 2 700 €, soit ce prix-là. Donc, si vous avez le permis ou si vous avez l'intention de passer la formation de 7 heures, ça vaut vraiment le coup de passer sur celui-là. Ça vous le ramène à quelque chose qui va vous permettre, en fait, d'aller faire un petit peu plus que d'aller chercher la baguette de pain. Mais pour autant, pas de prendre le périphérique. Alors côté freinage, eh ben, on a un disque, simple disque de 175 mm à l'avant. Entre la version cyclo et la version scooter équivalent 125, ben, la différence majeure, c'est que sur l'équivalent 125, vous avez un freinage combiné avant et arrière. Et vous pouvez le voir plus précisément ici, puisque vous avez deux câbles ici à l'avant pour le freinage combiné. Alors, à l'avant, on retrouve un simple amortisseur et puis un double amortisseur à l'arrière. Ils sont pas très, très gros. Ça suffit pour du solo. Pour le duo, c'est un peu plus compliqué. Et puis bon, on a un système sans clé. Et bien sûr, si le système sans clé avec la pile ne marche pas, et ben on peut extraire la petite clé qui est cachée à l'intérieur pour démarrer le scooter ou tout simplement pour ouvrir la selle à l'arrière. Bon ben voilà, là vous avez le gros modèle de batterie, 15 kg, mais c'est surtout 2,3 kWh. Donc c'est le gros modèle, c'est le modèle qui vous permet aussi d'avoir la plus grosse autonomie sur la petite version du Piaggio One. C'est ce que vous pouvez ramener chez vous le soir pour charger la batterie, puisque le chargeur n'est pas inclus dedans. Et puis sinon, ben, vous avez une batterie de 10 kg, pratiquement deux fois plus petite, de simplement 1,4 kWh. L'avantage, eh bien, c'est que en fonction du modèle de batterie, vous allez mettre entre 4 ou 6 heures pour la recharger, ce qui reste raisonnable. Notamment si vous faites de l'urbain, bah, vous pouvez l'amener au bureau, vous la rechargez pendant la journée, puis vous repartez le soir. D'autant plus que bah, y a un petit peu de place sous la selle. Vous avez ici de quoi mettre un jet ou tout simplement d'embarquer justement avec vous le chargeur pour l'avoir au bureau. Ce qui est quand même bien sur ce scooter Piaggio, eh bien, c'est tout simplement le niveau de finition. On le voit un petit peu ici avec les petits reflets qui sont sympas. On le voit au niveau du tablier, on le voit sur le mélange entre du plastique mat et puis du plastique brillant. La finition est très très bonne. Il y a même cette petite prise USB au compteur qu'on ne trouve pas, même sur des scooters plus chers. On trouve des jolis repose-pieds, ce qui permet vraiment de prendre également un passager. Et puis cette béquille centrale, par contre là où c'est chiche, c'est qu'il n'y a pas de béquille latérale, elle est en option. Sur un petit scoot comme ça, franchement, quand vous vous levez, ben, soit vous avez vraiment la technique pour arriver à le mettre sur béquille latérale ou en sortir quand vous êtes sur la selle, mais sinon, ouais, là ça coince. Allez, je vous emmène à bord et on vous en dit plus au guidon.
Bon ben voilà, avec une selle de 770 mm, eh ben on a les deux pieds à plat. La selle est assez large, mais comme le scooter est très très fin, on est tout serré dessus parce qu'il est vraiment tout petit. C'est un peu sa grosse caractéristique. Alors on a un très très bel écran, hein, hyper lisible, notamment avec le pourcentage de charge, etc. Pour démarrer, comme pour tous les scooters électriques, eh ben, frein, le petit bouton IMAP, jusqu'à ce qu'il affiche « Ready ». Alors là, on peut se mettre en mode marche arrière, c'est très très pratique. Mais on va surtout se mettre en mode sport direct. Et puis, bah, ça tourne tout seul, bien sûr, c'est hyper léger. Moins de 80 kg pour un scooter. Pareil, un écran très lisible, qu'il fasse soleil ou pas. De bonnes, plutôt, réactions et accélérations sur ce scooter. Bah voilà, c'est un petit engin urbain avec une énorme maniabilité pour passer à droite ou à gauche. Et un confort, c'est bien pour la ville, mais dès qu'on arrive sur un peu de pavé ou quoi que ce soit, c'est tout de suite nettement plus compliqué. Alors clairement, le mode éco limite la vitesse, il limite la puissance, l'arrivée de la puissance. Il faut à minima partir sur le mode sport ici. Il n'y en a pas 36, mais d'un autre côté, le scoot va plutôt aller jusqu'à 60 km/h et encore pas en y arrivant de façon fulgurante. Donc plein de modes ne sert pas à grand chose. Par contre, voilà, le démarrage est net tout de suite pour arriver à 50 km/h relativement rapidement. Bon, même en mode sport, c'est pas... Voilà, on a un petit moteur de 2 kW. Quand on est habitué, plus traditionnellement, à avoir surtout à minima des 3 kW ou des 5 kW, qui sont pas non plus des foudres de guerre, mais qui sont pas mal. Et là, comme on le voit, on est à fond, à 58 km/h, compteur, ce qui va donner... une vitesse réelle à 50 km/h. Voilà, le reste, si vous voulez gratter les autres kilomètres heure, faut s'y prendre un petit peu à l'avance et être vraiment sur la lancée. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on démarre en même temps avec le 45 et le cyclo et puis le mien. Sandrine est à fond. En quelques mètres, je la dépasse allègrement. Et c'est la grosse différence entre les deux modèles, c'est leur capacité d'accélération, sans oublier la vitesse max. Mais voilà, on pourrait se dire qu'en fait le modèle est limité juste sur sa vitesse max, mais que le couple est identique et délivre donc toute la puissance possible dès le début. En fait, c'est pas vraiment le cas. L'équivalent 125 ou cyclomoteur plus, comme je préférerais le dire, a quand même bien plus de patates. Et on voit un petit peu l'accélération ici sur le compteur, la puissance consommée instantanée, pour bien montrer que là il est consommation max par rapport à d'autres moments. Et là on vient de passer sur des défauts de chaussée et il y a un double amortisseur à l'arrière, mais ça reste sec. Mais c'est une des caractéristiques de bon nombre de scooters électriques sur le marché. Je pense notamment au Silence. Les doubles amortisseurs sont très petits et en fait, ils arrivent vite aux limites de leur capacité. Alors on peut toujours changer de mode en roulant, à condition d'avoir décéléré au moment où on change de mode. Donc petit gabarit. On peut se faufiler entre les voitures à l'arrêt. Encore une fois, le scoot est très léger, très maniable, mais avec une direction qui reste relativement stable. Il n'y a pas d'à-coup du tout, même à vitesse lente. Hein. C'est un problème qu'on a sur certains scoots. Ici, la réaction à la poignée de gaz, on peut vraiment rouler à 5 km/h et s'arrêter naturellement. Puis on le constate, hein, on est encore à un feu rouge. On le sait, la vitesse moyenne en ville, même quand il y a une limite à 50 km/h, elle est rarement de plus de 30 km/h, elle serait même inférieure. Donc en fait, des scouts d'entrée de gamme en termes de vitesse, etc.,
sont largement suffisants. Donc un joli écran de nuit, hein, vraiment hyper lisible, très sympathique. Il fonctionne grâce à un détecteur qui permet de déterminer la luminosité ambiante pour se mettre lui-même au niveau et d'offrir toujours la meilleure lisibilité. Alors en côte, moi je suis au taquet à 43 km/h, donc on voit aussi la limite d'un moteur à 2,3 kW, c'est que oui, la vitesse max peut être théoriquement de 60 km/h, mais si on est en solo et en côte, et ben cette vitesse maximum elle baisse, hein. Là on l'a vu, on était vraiment au taquet, même avec un peu d'élan, 43 km/h, et si on est en duo, ben c'est pire en fait, hein. On va se retrouver encore à une vitesse inférieure, et notamment des reprises si on n'a pas pris d'élan auparavant, qui sont bien moins importantes. Dans tout ça, ben, on a plutôt une bonne rétrovision par ces petits rétroviseurs ici à droite à gauche qui se règlent facilement, hein. Ils sont bien positionnés. Et puis on note, hein, le petit crochet central pour accrocher des éléments, notamment parce qu'on a un vrai plancher plat. Et ce plancher plat, ben, c'est bien parce qu'en fait, il va permettre de mettre un pack de 6 bouteilles d'eau par exemple, et contrebalancer un peu la limite de la capacité d'emport. L'un des points, on vient de se faire doubler par un scooter thermique qui fait un foin malgré un pot clairement d'origine, un foin terrible. Une fois qu'on a commencé à goûter à l'électrique en ville, franchement, on apprécie l'extrême silence et la douceur de roulement et de conduite également. Bon ben voilà, l'électrique va révolutionner bientôt nos vies, notamment en ville. Ça, c'est le type de modèle dont l'avantage majeur, ben, c'est tout simplement le réseau Piaggio. Il y a beaucoup de concessionnaires Piaggio. Ça veut dire que vous allez pouvoir le faire entretenir, même s'il y a un minimum d'entretien sur de l'électrique, mais qu'il est proche de chez vous, qu'il peut éventuellement vous conseiller. C'est la grosse différence. Et puis le suivi dans le temps, effectivement, par rapport à des marques qui apparaissent et qui peuvent disparaître sur le marché. Maintenant, c'est loin d'être le moins cher du marché. On l'a dit, il y a plus puissant pour le même prix ou moins cher. Ici, on est vraiment sur de l'entrée de gamme, un moteur de 1 kW. Ici, ou 2 kW, c'est vraiment le mini. Pour être en ville, objectivement, il faut minimum du 3 kW. Le 5 kW, c'est l'idéal si vous voulez commencer à faire un peu de périurbain. Et puis, bien sûr, il y a tous les autres modèles, mais dont les prix s'envolent rapidement au-dessus de 5 000 €. Là, encore une fois, on est sur plutôt du 2 700 €, donc c'est pas mal. Avec un scooter qui est bien fini, qui est sympa, et un joli écran TFT 5,5 pouces. La prise en main avec un scooter de 79 kg est vraiment très très facile. Donc à partir de 14 ans pour celui-ci et puis de 16-18 ans pour celui-là. En bref, vous avez un petit scooter à un prix un petit peu élevé, mais qui reste raisonnable avec la garantie et le sérieux Piaggio. Mine de rien, vous pouvez mettre votre jet sous la selle. Bref, c'est ce qui va vous permettre d'aller prendre le pain, vous déplacer en ville, d'aller excéder partout pour les années à venir. Et finalement, ben, l'électrique, c'est ça qu'on lui demande. Bon, ben voilà, on est une chaîne principalement thermique. Il y a toutes les nouveautés 2022 qui sont en train d'arriver. C'est une nouveauté 2022 également, mais surtout l'électrique arrive dans nos villes. Et puis finalement, un petit engin pour compléter la moto, le gros scoot, le maxi scoot dans le garage, ben c'est pratique au quotidien. Ça consomme pas, ça se recharge relativement vite en 4 à 6 heures. Bref, abonnez-vous aussi à notre chaîne pour suivre un petit peu ces évolutions et voir de quoi sera fait demain.